Parce que beaucoup de monde, ils abandonnent leur assemblée. Abandonne ton église le dimanche, ça c'est pas grave. Tu peux abandonner ça. Mais abandonne pas la vérité. Tu comprends? Ici, là, c'est une église. Et mon frère, ça va faire, ça va bien? On parle à la part de Dieu. T'as deux minutes? Deux minutes. Ah, mon cher, deux minutes. Ah, bon, ok. Il y a un numéro là, tu peux pas arrêter nous. Attendez, mais. Ok. Donc, oui, c'est ça. Ici, c'est une église, là, ici. Là. Le mot église, là, ça ne veut pas dire une baptiste. Avec une porte puis une centaine de bancs là. Ça c'est l'église ici là. T'es à l'église en ce moment là. Continue. N'abandonnons pas l'assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce que plusieurs par découragement finissent par abandonner. Mais exhortons-nous réciproquement. Donc on s'exhorte, on est en train de t'exhorter, Nick. Pour que tu puisses te repentir et observer les commandements de Dieu pour qu'on puisse être ensemble jusqu'à ce que Christ retourne. Et cela. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour, quel jour? Destruction. Je ne sais pas si tu sais là, mais il va y avoir la troisième guerre mondiale. Ça c'est la guerre de Dieu là. Ça c'est Christ qui va venir faire la guerre là. Les nations vont commencer à faire la guerre entre eux autres. Là ils vont voir un Christ noir apparaître sur les cieux qui va venir. Christ va juste débarquer pour commencer à massacrer du monde. Le pape a lu Esaïe 63. Dieu va avoir plein de sang sur lui là. Donc il va avoir une guerre physique là. Tu comprends? Là, on fait la guerre spirituelle, on fait la guerre contre les doctrines. Le frère, il refuse la parole de Dieu. Quand quelqu'un refuse la parole de Dieu, là, tu refuses la vie éternelle. Là. Tu comprends? Tu refuses la vie éternelle. Tu refuses le royaume des cieux. Tu refuses ce qui va. Mon frère, ça a deux minutes, tu peux écouter la parole. C'est très important, mais ça a deux minutes. T'es occupé? Mais un peu de temps pour Dieu, man. Tu comprends le dire? Parce que quand Christ va arriver, là, tu vas pas dire à Christ, hey, je suis occupé là. Tu comprends le dire? C'est comme 10 15 fuissible, c'est vrai. Ah ouais? Ah, ok, ok. Bon, maintenant la description du Christ. Est-ce que Christ est un homme blanc? Est-ce qu'il est un homme jaune, rouge, vert ou un homme noir? On va voir ça dans la Bible. Commence avec Daniel. J'aime Daniel avant. J'aime Daniel. On va aller dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Daniel, on va commencer avec Daniel 10 et le verset 6. Comment? Oui, la description de Christ est dans la Bible. Les chrétiens disent que Christ est un esprit, une fumée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Le livre de Daniel, chapitre 10, verset 5. Je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Ça, je comprends pas. Ils disent que Christ est un esprit, mais le pasteur dit il a vu un homme. Quand on dit que Dieu est esprit, ça veut dire qu'on le voit pas. En ce moment, Dieu est esprit, on le voit pas. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu a un corps physique. Lorsque Christ était venu sur terre, Christ marchait là. Christ allait aux toilettes, Christ prenait son bain, Christ mangeait, Christ dormait. Comme on le dit, comme Dieu, Christ avait la chair, il est venu de la chair humaine. Ayant sur les reins. Sur les reins. Mais s'il était un esprit, une fumée, comment une fumée pour avoir un quoi, une ceinture sur les reins? Ça n'a pas de sens. Christ a un corps. Lui. Et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Verset 6. Son corps était comme du chrysolite. Qui veut dire que son vêtement était vert. Son vêtement était vert. Du chrysolite, c'est vert. Lui. Et son visage brillait comme l'éclair. Son visage, mais si Christ n'avait pas corps, maintenant il voit les gens vont dire oh oui, c'est une vision. Non, il a vu un homme. Oui, c'était une vision, mais c'est ce que Dieu l'a montré, il a vu un homme.
continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc ses yeux, comment une fumée peut avoir des yeux? Ça ne fait pas de sens. Comme une flamme de feu. Oui. Ça veut dire qu'ils étaient rouges. Ses bras. Non. Tu vois, c'est une question de logique, pas. C'est logique, ses bras. Oui. Et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. C'est ce qu'est la couleur de l'airain poli. Et mes frères et sœurs, on est en train de décrire la description de Christ dans la Bible. Que Christ est un homme noir, comme toi, ma sœur. Ensuite, oui, Christ se ressemble. Oui, mais on le dit dans la Bible, ma sœur. Christ a la même couleur que toi. Donne-moi deux minutes. Viens, approche, ma sœur. Viens. On le lit. On va lire ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La description du Christ. Parce que dans les médias, dans les films, ils nous montrent Jésus comme ça. Mais Jésus est un homme noir. Recommence le verset. Le livre de Daniel, chapitre 10, verset 5. Je levais les yeux. Verset 6. Parce que je ne suis pas trop retenu à la sorte. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme de l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds. Donc, le prophète Daniel, il prend les bras et les pieds de Christ. Dis parce que Dieu, quelles couleurs sont les bras et les pieds de Christ? C'est quelle couleur? Ressemblait à de l'airain poli. Tu sais, c'est quoi la couleur de l'airain, ma soeur? Ça, c'est la couleur de l'airain. Tu vois les bouts là? C'est presque pareil que tes jambes. C'est presque pareil comme nous. Donc, regarde le frère en descendant, le frère. Je vois les pieds du frère. Donc, ses pieds, c'est la même couleur que le reste de son corps. C'est que Jésus est un homme noir comme toi et moi. Ça veut dire c'est brûlé. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme de l'éclair. Parce qu'il était rempli de sagesse, lui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'était rouge, lui. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Donc, ma soeur, avant que tu partes. Ma petite toile. Donc, d'après ce qu'on vient de lire, quelle image fait plus de sens avec la Bible? Avec le versement de l'urine, quelle image qui fait plus de sens? Lequel des deux? Par là-bas, tu vois? Donc ça, c'est un mensonge. Donc là, on doit. Quand on parle de Jésus, cette image-là qui va donner en tête. Mais à partir de maintenant, quand on parle de Jésus, c'est ça qui donne en tête. Ok, ma soeur? Je te laisse partir. On a tous nos informations, ok? C'est bon. Donc, j'ai mis dans l'esprit de la soeur d'écouter ça. Nick. Ok, on a presque fini. Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.